Bonjour les gens, c'est Big Boss. J'espère que vous allez tous bien, les amis Big Bossiens, Big Bossiennes. Alors aujourd'hui, un nouvel épisode sur Vêtements de la Forêt, hein, toujours en version bêta aussi. Tiens, on va ramasser les œufs, hein, pour commencer. Donc, j'ai fini de préparer le terrain. Et j'ai commencé à. Aussi à préparer mes champs, hein, en semences. Donc voilà, le terrain est fini, donc on mettra le silo après, hein. Parce que comme j'ai commencé, alors ça c'est, j'ai acheté des sacs de graines, hein, pour pouvoir alimenter mon semoir. Voilà, donc ce que je fais, alors comme vous pouvez voir, je suis à 284 000, donc je lance un ouvrier pour semer, voilà, et j'ai fait des petites missions, hein, j'ai récolté des champs, voilà, hein, j'ai fait la 19, la 22, la 18, la 5, voilà, hein, pour gagner un peu d'argent, et l'argent que je gagne, bah, ça permet de payer l'ouvrier, quoi, que je mets pour la semence, pour semer. Donc là, je finis le champ, là, tout en bas à gauche, hein, vous voyez le curseur, hein, vous voyez le tracteur, comme je l'ai mis en ouvrier, il me reste juste, il y a même déjà une pousse de sortie. Je finis de... alors je mets que du... colza pour le moment, et j'ai toute la partie droite à faire de, sur les champs de ce qui m'appartient, et puis celui-là en haut là, celui-là qui m'appartient aussi, donc je ferai pas que je vais faire colza celui-là que je vais finir, et puis sûrement celui-là en haut, et puis les autres, ben, je vais voir, hein, je mettrai sûrement de du soja, voilà, c'est pour l'instant c'est ce que je vais mettre. Parce que je vais regarder, mais je crois que on n'a pas, que je regarde, on n'a pas de BGA, patate, cop, non, ETA, compost, abattoir, série concessionnaire, d'accord, donc on n'a pas de raffinerie. Alors ce que je vais faire, je vais sûrement rajouter la raffinerie en mode, et puis comme j'ai du colza, c'est pour ça que je mets du colza au départ, pour qu'on puisse fabriquer notre propre gasoil. Voilà, donc je lance là, je fais des pardon, excusez-moi, des missions, hein, en récolte, et puis ça me permet de gagner un peu d'argent, voilà, et puis bon, bah l'argent que je gagne, ça me permet de payer l'ouvrier, quoi. Donc là, ce que je vais faire, mes points de traîne, peut-être que je parte de l'autre côté avant, quand je sois sur place, voilà, on va faire ça, on descend, oh, je switch, hein, désolé, mais voilà, hein, je vais l'installer dans ce coin là auprès de la route, là à peu près là, oui, côté du pavillon, bon, on va voir ça où il se pose le mieux, hein, d'ailleurs où il se pose le mieux, objet à placer, j'avais dit Frédéric que je mette une pompe à eau, mais bon, pour l'instant j'en ai pas besoin, on verra ça par la suite. Alors j'ai mis les hangars parce que si je me rappelle bien, on avait un terrain derrière. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Bah, je l'ai pas mis. Ah bah, je le mettrai là. Ah bah non, c'est pas ça. C'est vrai, c'est Maurice ici. Sélectionné. Voilà. Acheter. Voilà. Je vais peut-être faire comme ça, que je puisse avoir de la place pour tourner. On va le tourner un peu comme ça. Ah, si je fais ça. Pour avoir de la place pour tourner, hein,
dame avec tête dans la gueule, ça me voit directement la... les cuves. Alors, on va faire ça. Voilà. Ça devrait le faire. Allez, hop, voilà. Il est installé. Voilà, bon, on a cette place pour rentrer là et puis ressortir là, d'accord. Et puis voilà, ça c'est fait, c'est installé. Donc, bon, on peut descendre. Hein. Voilà. Et puis, j'enlèverai la. Parce que il prend tout lui. Hein. Ah, bah là, on va pas le voir, c'est vrai, parce que. Il est bien posé, ouais. Comme on n'a pas de benne, il va rien donner là. Ouais, il n'y a plus de bien partout là. Ouais, c'est bon. Comme on n'a pas de benne, il donnera rien du tout. Bon, il y a déjà une bonne capacité hein, par rapport aux autres. Voilà. Donc on va retourner un peu sur le sur l'autre et puis pour la vidéo. Donc voilà, on va semer là. Bon, après au bout, ce qu'il va plus capter, hein, comme il est en bout de champ, captera plus le, la partie de droite, donc il va falloir le finir à la main. Voilà quoi. Je vais finir ça et puis après on préparera dans un autre champ. Et il faudrait que j'aille voir sur le terrain derrière, voir. On peut peut-être le faire de suite. Je vais prendre le l'autre tracteur, on prend celui-là, monter, voilà. Parce qu'il est pas bien loin le terrain. Allez, bord derrière. J'ai vu qu'il y avait la coopérative patate, c'est ça, hein, coopérative pomme de terre, patatoscope, ouais. Mais il n'y a pas le rendre visite, non, ça c'est le champ ça. Patatoscope. Voilà. Et c'est juste pour vendre des patates, hein. Il n'y a pas de. Regardez. Il n'y a pas le washable. Le washable. La machine pour nettoyer. On va faire ça. On va mettre la deuxième. Ouais, c'est juste pour stocker ça. On peut pas passer nulle part. Si on peut passer là, ça. Ah ouais, bah, on verra rien. Non, il n'y a pas la machine pour laver les patates. On a pour stocker, mais c'est tout. On est là, ouais, mais. Je crois pas. Hein. Ça peut être en dessous, mais non, je vois pas. Donc d'accord, ok. Monter. Ah, on va aller voir ça derrière. Je le mettrai peut-être bien derrière. Il y aura du nettoyage sûrement à faire. Hein. Si je mets souvenir sur le bord, il faudrait que je prenne là. Bah oui, mais on rentre dans un champ là. Donc ça doit plus être ça là. Ah si, c'est là-dedans. C'est les vaches ici. Ouais, donc pas grand-chose, hein.
Après, je pense que ça doit être sûrement les vaches. Ouais, bon, le terrain derrière il a été réparé. Hein. Bon, bah tant pis. On verra, peut-être qu'on prendra un bout là-dessus. Parce que c'est pareil, hein, comme ça a été du plaçable, il faut que ça soit plat. Donc on prend une route là, puis on le mettra peut-être dans ce coin là, parce que ouais, ça devrait passer là. On le mettra dans ce coin là. On fera ça. Ok. Bon bah ça je vais le laisser là parce que non bah je vais même pas le... Je vais pas faire l'herbe maintenant. Du coup. Tant que je passe... Il y a pas mal de boulot encore. En semence. Où j'attaquerai ça parce que en plus j'ai un champ qui est sorti. Alors donc il va falloir que je le récolte. Alors on n'est plus dans les périodes de récolte. Hein, mais bon bah... Si je me base par rapport aux saisons de récolte et tout, bon, moi je peux pas jouer. Hein. Je pourrais pas jouer. Donc, on va pas s'occuper de ça. On joue selon le jeu. Hein, et puis voilà. Donc, ça on va fermer. On ferme ça, on ferme ça. Il en est où lui? Vous voyez, arrive en pointe. Je vais finir ça. Tant qu'il arrive là-bas au fond, donc il y aura celui-là, oui. Vous voyez ici. Il est bon. Hein. Il est bon à récolter. Donc je commencerai celui-là sûrement la prochaine vidéo. Récolter, qu'est-ce que c'est celui-là dedans? C'est du blé. Du blé, cette petite partie-là à droite, c'est de l'orge. D'accord. Donc on aura de la paille. On a un petit bout de terrain là aussi. D'accord, ok. Donc on va reprendre ça comme ça. Bon, le bruit va s'arrêter tout seul. Voilà. Sur le plateau. Donc voilà, chers amis bibochiens, bibochiennes, pour cette vidéo, hein, on a installé le silo, hein, je vous ai fait voir comment je procède avec le semoir, hein, avec le brouillet, et puis qu'est-ce que, en attendant, ben, je fais de la récolte hein, pour les autres fermiers. Voilà pour ça, hein, et donc je vous dis ben, à la prochaine pour des nouvelles aventures hein, sur Bêtement la Corée. Version bêta hein. Et puis merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à la prochaine, donc bye bye, salut à tous, merci.